C'est bon? Il me manque de respect, moi j'ai rien dit, tu vois, de chaud, moi j'ai juste non, la vérité. Tu me craches dessus en fait. Mais non, je te si, crache tu pas me craches dessus. Dessus. Tu non. Me craches dessus non. Si. Tu montes sur mes couilles depuis tout à l'heure. 50 000 abonnés, tu crois que tu es. Je sais pas qui, déconne pas gros. Arrête. Ah, parce que moi je pense que ça peut lui rapporter, tu vois. Ça peut te faire ça des. Ça va lui rapporter quoi gros? 50 000 abonnés, il est fait en deux jours, qu'est-ce que tu racontes gros? Bah déjà, ça va lui rapporter un vrai public, tu vois. Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur, vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Salut internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'ai un invité de marque, Abdel GameX13 pour ceux qui ne connaissent pas. Sa chaîne YouTube s'affiche juste en bas, vous avez la description. On est ici avec le frérot Shems. Que vous connaissez aussi Shems peut-être Bogota. Voilà, Shems Bogota qui est dans les vidéos de Abdel aussi. Si vous connaissez Abdel, vous connaissez Shems. Ouais. Et il y a aussi tous les frérots. On a Fafa TV qui est avec nous. On a la famille de Prank Moi si tu peux. Ils sont là, ils font des pranks sur YouTube. Vous pouvez aller voir. On a Rico aussi que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Farid Zitoun et encore un membre de Prank Moi si tu peux qui est avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simplement. En gros, je vous explique l'histoire. J'ai reçu beaucoup, et je crois que c'est la dernière fois que je le fais et que je vais aussi loin pour ça. Mais on a reçu des menaces et des insultes sur Internet. Tu peux préciser ? Vas-y, frérot. Il a reçu des menaces et des insultes sur Internet. Et vu qu'en fait, ça venait de Grenoble, il m'a dit bah, exactement. Abdel, t'habites à Grenoble ? Exactement, frère. J'arrive. C'est exactement ça. En fait, comme les mecs, ils sont de Grenoble, moi, ce que j'ai fait, c'est que d'entrée, j'ai pensé à Abdel, comme on se parlait déjà sur les réseaux. Je dis vas-y, frérot, écoute, il y a des mecs qui m'ont embrouillé tout ça. Est-ce que tu connais un peu Grenoble ? Il m'a dit ouais, vas-y. Il était chaud pour venir avec nous. Donc, il est venu et c'est pour ça qu'il y a Shems aussi. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que les mecs nous ont donné rendez-vous. On va y aller. Et au début, on va y aller que à trois, c'est-à-dire moi, Abdel et Shems. Et les frérots qui sont derrière sont juste là en renfort. Ça veut dire que si vraiment ça part en vrille, ben les frérots, ils viendront, on les appellera, ils viendront. Mais on va essayer de discuter, on ne veut pas de violence, on n'est pas des gens violents, on n'est pas des gens qui font la misère c'est aux pas, gens. C'est pas le message qu'on veut faire passer, mais on est obligé d'assurer nos arrières quand même. Donc on va y aller, on verra comment ça se passe, et si vraiment ça dégénère, on sera obligé de faire venir les frérots. Mais dans tous les cas, on n'aura pas de violence et on n'en fera pas. Voilà, donc bon visionnage à tous, et on espère que ça va bien se passer. Ciao les gars. Si bon les frérots, là je suis avec Abdel et Shems. Voilà, les jeunes qui nous ont insultés, enfin qui m'ont insulté sur internet, c'est eux. Donc nous on est trois, ils sont trois. Et comme vous le savez déjà, il y a une petite équipe au cas où en renfort. Donc là on va y aller avec Abdel et Shems et on va voir comment ça se passe. On va essayer de calmer les choses, de parler pacifiquement. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, on sera obligé de faire venir les frérots. Allez, c'est parti. Ben, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Voilà les gars, on est là, hein. Non, on est venu. On n'est pas venu pour faire des problèmes. On est juste venu pour discuter. Tu as pas ramené ta caméra? Pourquoi tu ramènes ma caméra? Le roi, d'habitude, tu es toujours avec ta caméra, non? Bah oui, alors. Voilà. On est venu, frérot, regarde, on est pas venu. Ah, on est pas venu avec des armes. Déjà, pourquoi tu parles avec eux? C'est moi qui t'ai parlé. C'est les raisons dont tu n'as pas le droit de parler avec mes collègues. Ouais, mais tu es avec eux, frérot. Non, c'est eux qui vont parler. Parle avec moi. C'est avec moi que tu vas parler. Ah, c'est, je sais pas, c'est qui? C'est les formes. Moi, je suis avec. De Grenoble, moi. Je suis d'ici, moi. Alors, c'est que ça ramène ta caméra, frérot. Dans les gens, en fait, c'est quoi, là? Tu crois que c'est une blague, en fait? Écoute, tu vas parler avec lui tranquillement. On est venu ici pour parler tranquille. Moi, je suis d'ici aussi. Vous parlez tranquille, c'est pour ça qu'on est. Moi déjà, je parle avec toi, je parle pas avec toi. Moi, je vais parler avec toi et je vais écouter ce que tu vas dire avec toi. Toi, je te dis, entre toi, nous deux, si tu veux en faire. Enfin, je vais te dire que je suis pas venu ici. Je suis pas venu ici, bon, parce que moi, je veux dire que les gars comme toi, j'aime pas. Je t'ai envoyé des messages, je t'ai dit d'arrêter de faire des trucs. Tu continues. Tu vois, donc ton collègue aussi. La rue, elle est ici, mon frère. C'est vas-y, il a fait quoi? Y'a pas de caméra, de YouTube, je sais pas quoi. Il a fait quoi? Tu rentres dans les quartiers. Moi, je vais te montrer ce que c'est un quartier, frérot. Mais frérot, j'ai grandi dans les quartiers, donc tu vois. Moi, je t'explique, frérot. Toi, tu m'aimes pas, lui, il m'aime pas. Ok, c'est une chose. Mais après, vous m'avez donné rendez-vous, vous m'avez insulté la daronne, vous m'avez insulté les morts. Vous m'avez affiché sur YouTube. Alors après, il y a un moment donné. Je vais faire quoi? Mais on peut discuter ou pas? Moi, je comprends qu'on peut discuter, mais moi, on discute pas avec le mec. Il est venu pas. Mais alors, pourquoi tu viens me parler, frère? Grenoble, il m'a demandé si est-ce que je peux le ramener ici. Je l'ai ramené ici pour qu'il vous parle. Il n'est pas venu pour se battre, il n'est pas armé. Mais frère, ouais. Il est venu pour vous parler, pour comprendre pourquoi vous, en fait, vous le cherchez sur internet, pourquoi vous l'attaquez sur internet. Moi, je t'ai pas insulté, mon frère. Je vais pas t'expliquer trois fois la même chose. Les mecs comme toi, on aime pas les mecs comme toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, vous allez faire quoi? Vous allez nous frapper? Des petites vidéos, des trucs qui peuvent dans les quartiers. Tu vas arrêter maintenant. Parce que sinon, on va réellement s'occuper de toi. Je vois que ça va chauffer. Pourquoi tu m'en demandes? Je suis d'arrêter. Tu es malade. Mais frère, c'est rigolo. Mais c'est rigolo ce que tu dis.
Je sais pas ce qu'il va, frère, en vrai. Mais regarde. Tu vois, on peut vous mêler maintenant si vous voulez, y'a pas de problème, mais on va pas le faire. Par contre... Attends, contrairement à vous. Regarde, on est pas des putes, on est venu parler. Regarde, toi t'as dit quoi? T'as l'air? Bah dis c'est un homme. Parce que maintenant on est plus nombreux que vous, j'ai envie de casser la tête. Non, Abdel, c'est bon, Abdel. Abdel, frérot. Viens avec la caméra, viens. Parle encore du petit, je t'arrache ta tête. Arrête, on va pas faire la guerre maintenant. Ah, je te dis parle encore du petit, je t'arrache ta tête. Parce que nous, regarde, on est pas là pour Hagan. Regarde, on est combien? On pourrait vous en... Y'a pas de hagra. Frérot, dis pas venez, frérot, tu veux quoi? Arrête, frérot, c'est pas parce que tu fais 2 mètres que ça y est, frérot. Tu vas te faire soulever, là, regarde. T'es grand diable, tu vas te faire soulever, regarde. Mais quand tu veux, je suis ici. Non, mais attends. Ne partez pas. Je vais parler avec vous au départ. On va remettre les choses dans son contexte. C'est vous qui êtes venu m'insulter. C'est moi, je viens jusqu'à Grenoble, frérot. Il y a 3 heures de route, je viens, je ramène un frérot, je ramène un deuxième frérot. Je vois bien que je suis pas ici pour vous menacer ou faire quoi que ce soit. Je suis venu ici pour parler. On arrive ici, vous commencez à faire les marioles, à vouloir nous frapper. Alors après, on fait quoi? C'est normal que je ramène du monde. Mais à la base, je suis venu seul. Si vous êtes. Mais oui, mais tu vas passer sur ma chaîne, frérot. Toi qui aimes pas mes vidéos. Baisse ta caméra. Écoute, il y a un avantage, c'est que là, nous, on pourrait vous bouler, nous, on n'est pas des putes. Maintenant, s'il y en a un d'entre vous, là, qui veut régler un problème, on est chez vous, c'est votre quartier ici. Votre quartier où il n'y a pas grand monde, vous êtes que 3, je sais pas de quel quartier tu parles en plus. C'est le quartier du rond-point ici. Quartier du rond-point, frérot. Quartier du sens giratoire. Moi j'avais dit à tête, tu viens avec 10 minutes. Tu me dis tête. Attends, mais tu es 3. C'est moi, ils sont 3. Alors, vous êtes venu qui? Vous êtes venu lui, toi et le nain. Vous êtes venu quoi? Vous êtes venu toi. Voilà, je parie qu'il te retourne le nain déjà. Ouais, mais on n'est pas venu pour vous frapper, nous. Lui, il est de Marseille, moi je suis d'ici. Je connais pas vous ici. Il m'a dit, ramène-moi à ce parking là. Vous étiez ici, là, au parking. Je l'ai ramené ici. C'est tout, c'est là où j'ai l'habitude d'être. Si je voulais faire un truc de fou, je serais venu d'entrer avec ta mère. On n'est pas venu pour vous frapper. On n'est pas venu pour vous haga. Mais on savait. Lui, il sait bien dans ce genre de bail là, quand les gens ont des problèmes internet, ils sont très mecs à chaque fois, c'est de la hagra. Et c'est pour ça qu'il a ramené ses potes, parce qu'il savait que vous allez faire ça. Bah oui, il savait. Hagra de quoi, on était 3 contre 3, on est fou. Mais hagra de quoi, frérot? T'es tout seul. Là-bas, t'as 3 mecs, et là, nous, on est 2 et demi. Tu me racontes. 2 et demi, mais t'as compris, frérot? Parce que vous voyez un petit de taille, frérot, vous allez dire, on va l'enculer. C'est ça? Vous voyez, moi, je suis pas impressionnant du tout. Moi non plus. Vous voyez, lui, il est pas impressionnant. Vous avez dit, bon, on va les enculer. Arrêtez, les gars. Mais t'es pas impressionnant, je te dis, toi t'es pas impressionnant. Mais derrière, il y a 3 personnes derrière toi. Là, il y en a un, tu vois. Donc voilà, frérot. Frérot, ça rien de parler avec eux, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Si vous aimez pas son contenu, vous le regardez pas. C'est tout, les gars. Internet, c'est grand. Mais maintenant ce qu'on va faire, comme nous on n'est pas des bâtards comme vous, excusez-moi le terme les gars, on n'est pas des bâtards, on va pas vous faire un truc de fou. Mais maintenant que vous avez fait ça, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de partir. Vous êtes chez vous, maintenant c'est nous, on est chez nous. Vous partez, vous prenez vos affaires, vous prenez vos trucs, là je sais pas si vous avez des affaires, et vous taillez.
Oh, vous taillez, vous taillez. Parce que après, à un moment donné, je suis gentil, non, mais après, à un moment donné, je suis gentil, tu m'insultes à moi, c'est une chose, non, mais tu m'insultes à moi, c'est une chose, mais après, quand tu m'insultes la daronne et tout, là vraiment, si j'étais un fils de pute, on te marave. Et j'ai pas envie, tu vois, parce que j'ai une bonne image à tenir et je suis pas comme ça. Donc, frérot, s'il vous plaît, partez et ne m'insultez plus sur internet. Parce que la prochaine fois. Là, on est venu, on est même pas 10. La prochaine fois, je peux ramener la France entière si je veux. Ah, mon frère, c'est que vous. C'est que vous allez ramener des gens pour haggar quelqu'un parce que vous appréciez pas son contenu. Ah, c'est parce que vous marche et que peut-être vous avez essayé, vous avez pas marché. C'est tout. À un moment donné, vous aimez pas le contenu, regardez pas. Pas besoin d'insulter la daronne. Wesh, les gars, c'est quoi? Genre, les daronnes, elles ont quoi avoir? Tu vois, t'as pas de respect, ta daronne, elle t'a pas pris de respect, gros. Vous aimez pas les gars, c'est pas. Écoutez, écoutez, on vrai, vous êtes là, vous êtes en train de nous faire des leçons. Vous êtes en train de nous faire des leçons. Bonne journée, les gars. Allez. La caméra, je t'ai la merde. Ah frérot, c'est incroyable. Non, mais faut que j'arrête de faire ça. En vrai, faut que j'arrête de. C'est toujours le même. D'aller voir, faut que j'arrête d'aller voir les gens. En vrai, non, mais frère, si tu continues à aller voir les mecs qui te parlent mal en vidéo pour essayer de faire une vidéo avec eux, ça sert à rien. Ça sert à rien, frère. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'un jour, ça va vraiment dégénérer, frérot. Bah oui, d'arrêter. Bah écoute, de toute façon, en vrai, écoutez. La vidéo elle se termine bien malgré tout. Ouais. Malgré tout elle se termine bien. L'important c'est que tu aurais pu, comme t'as dit, venir les frapper. T'avais quand même une bonne image. Tu vois, t'as le frérot là. Le frérot, ah, il était dans le but, c'est peur. Le frérot, le peur. Grand taille, on l'aurait frappé à plusieurs, ça aurait pas été. Non, ça aurait été légitime. Ça aurait été légitime, gros. Malgré tout, il n'y a pas de violence, tu vois. Nous, on préfère parler que plutôt agir dans la violence. Tu vois, et en réalité, comme j'ai dit aux gars, si les gars, si vous aimez pas la vidéo des gens, regardez quelqu'un d'autre, les mecs, arrêtez de faire chier à un moment donné. Non, mais moi, ça me. C'est pas aux gens de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à Internet. Bah écoutez, en tout cas, les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ne reproduisez pas ça, bien entendu. Hey, nous, on peut parce qu'on connaît beaucoup de monde et le frérot aussi, en plus, il est de Grenoble. Donc, si vraiment il fait. Et ouais, tu vois, ils insultent de loin, mais c'est comme ça, mais c'est ça, mais bon. Je remercie tout le monde, je remercie vraiment Farid Zitoun, vous le connaissez déjà, sa chaîne, elle est en description et elle s'affiche ici. Il y a aussi GameX13, je sais même pas s'il faut te présenter parce que tout le monde te connaît. GameX13, les gars, c'est pour ceux qui le connaissent pas, il y a sa chaîne aussi. Et là, on a Shems aussi qui est sur TikTok, qui fait des trucs, qui a Instagram, on mettra ton Instagram et tout. Il y a aussi Fafa TV, je remercie Fafa TV d'être venu. Il y a aussi Prank-moi si tu peux. Il fait des caméras cachées et il m'a piégé en plus en caméra cachée et il a aussi piégé Abdel. Donc allez voir sa chaîne, elle s'affiche ici. Et voilà, il y a Rico aussi que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, son Instagram s'affiche. Et là, bon, ça c'est l'équipe de Prank-moi si tu peux. Donc c'est deux bons acteurs de la BAC que vous verrez dans les prochaines vidéos certainement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore une fois tous les frérots. Merci à Abdel d'avoir pris les risques d'être venu et tous les frérots parce que lui aussi il n'était pas obligé, pas du tout. Mais voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain à 18h sur ma chaîne pour une nouvelle expérience sociale ou un prank. En attendant, si vous voulez voir d'autres contenus, vous avez de quoi faire. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine ou un très bon week-end. A plus les gars, merci. Ciao.